Moteur. Action. Div Ciné. Auditeurs de Normandie, bonjour. Doudou au micro pour Div Ciné, la seule émission qui vous propose le programme du cinéma Le Dracard à Dives-sur-Mer en audio et bien sûr maintenant en vidéo. Vous allez sur YouTube et vous tapez Normandive TV. Pour m'accompagner cette semaine, je reçois Jade. Bonjour Jade. Bonjour Doudou. Avec toi, il y a un jeune garçon qui s'appelle Maxence. Bonjour Maxence. Bonjour Doudou. La technique est tenue par notre amie Angeline, qui est la caméra, et Nolan, et bien sûr, le régisseur de toute cette équipe, c'est notre ami Renaud. Jade, qu'est-ce qui passe au cinéma cette semaine ? Alors, je vais te dire ça. Pour la semaine du 1er au 7 février, le cinéma Le Dracard vous propose 4 films. La guerre des Lulus, Cœur de Rocker, Les Cyclades, L'Immensita, en dernier. Bim, ciné. Pour son premier film, Yann Samuel avait devant la caméra Guillaume Canet et Marion Cotillard dans Jeux d'enfants. Suivront des films comme L'âge de raison ou encore La guerre des boutons. Dans son 9e film, les acteurs sont Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens, Tom Castin, Léonard Fauquet pour Une nouvelle guerre, La guerre des Lulus. Tu as déjà goûté au vin de messe ? Et pas qu'une fois. Mais c'est pas correct de boire le vin de messe. Qu'est-ce que tu crois ? Que le ciel va nous tomber dessus ? Je vous l'avais dit, personne ne m'écoute jamais. Moi c'est Lulu, ça fait de moi une Lulu. Non. Moi c'est Moussa, grand pourfendeur des éléphants. On a marché jusqu'en Afrique. Nous sommes à l'aube de la Première Guerre mondiale dans un village de Picardie. 4 orphelins, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment l'inséparable bande des Lulus. Toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale d'Octave ou échapper à la surveillance de l'abbé Turpin. Lorsque l'orphelinat de l'abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus sont oubliés derrière la ligne de front ennemie. Bientôt, rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le pays jamais en guerre. Les acteurs du film suivant sont plus âgés. Sous la direction d'Ida Téché et Luc Bricot, c'est leur premier film, ces comédiens, Mathilde Seigné, Bernard Lecoq, Anne Benoît et Andréa Ferréol sont des cœurs de rocker. Me dis pas que t'as pas envie de le faire changer d'avis, le costume 3 pièces. T'as vu comme elle nous regarde. Pas comme des croutons, pas comme des boulets. T'en as croisé beaucoup de comme elle depuis que t'as la retraite. Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job, faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de seniors ingérables qui ne rêvent que d'une chose, chanter du rock. Bim, ciné. Direction la Grèce pour le prochain film réalisé par Marc Fitoussi. Pauline, détective, Maman à tort ou bien Selfie sont quelques-uns de ses films. Ici, les acteurs sont Laure Calamy, Olivia Cotte, Christina Scott-Thomas, Alexandre de Rousseau et Nicolas Bridet pour Les Cyclades. La petite Blantine Bouvier est attendue par sa maman au comptoir information. C'est elle la petite ? Bah oui ! C'est toujours compliqué les séparations. Et après ce voyage, tu te rappelleras même plus de son nom. On est en Grèce ! Wouhou ! Denis Rousseau ! J'en fais trop, c'est ça ? J'ai plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle Acouphène, tu vois. Adolescentes, Blandine et Magali étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles, mais aussi ses galères, car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une approche très différente des vacances et de la vie. Et pour finir la programmation du cinéma de Dives-sur-Mer pour cette semaine, un drame italien réalisé par Emanuele Crialese, l'auteur de Respiro ou bien Terra Ferma. Son 5e film est joué par Penelope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Guilliani, L'Immensita. Io vengo da un'altra galassia. Come ti chiami? Andrea. Ma tu non sei preoccupata? A me non mi preoccupano le fantasie dei bambini. Oh, stupore della notte.
Sei andata oltre le canne? È pericoloso, sai? Soprattutto per te e per quell'amica tua. Smettetela! Siete voi che fate preoccupare mamma. Ma ho detto di no. Ho detto di no! Ha detto di no! Tu non sei neanche capace di educarla, quella ragazzina. Rome dans les années 1970, dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Félix Borghetti ne s'aiment plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara ne trouve refuge et joie de vivre que dans la relation complice qu'elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l'aîné, qui est né dans un corps qui ne lui correspond pas. L'émission se termine, c'était la programmation du cinéma Le Dracar à Dives-sur-Mer pour la période du 1er au 7 février 2023. J'ai remercié l'équipe qui était avec moi. Merci, Jade, de ta visite. De rien, je reviendrai. Et avec toi, nous avions Maxence. Merci de ta visite. De rien, Doudou, avec plaisir. À la technique, à la caméra, c'était Angeline et Nolan. Vous pouvez retrouver les horaires et les détails sur les programmes disponibles au cinéma, chez les commerçants ou sur le site du cinéma cinemaledracar-div.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Div Ciné. Bien sûr, bonne semaine à tous et bon film. Au revoir. Au revoir. C'est lui qui switch, je sais pas. Attends, j'ai pas transitionné. Bonne soirée, bonne journée, bonne année. C'est bon ? Oh, c'est trop génial, ça tourne. Poupée, c'est dans la boîte. Attends, je refais. Ouais. Pause, moi, je croyais que ça suivait. Des seniors, ah ouais. Des coups des seniors. Chose d'histoire. Bah attends, je reprends tout sinon. Comme ça, ce sera mieux. Si tu veux. Ok. Ouais. Alex. Alex. Et l'autre, elle est morte. Ouais, grave, qu'est-ce que t'as ? C'est pas, ils sont en train de voir. Oui, c'est avec Nolan, mais oui, j'ai vu. Mais je comprends pas. Ouais, je vais la refaire cette phrase-là parce que c'est pas bien. Attends, du coup. Ouais. Je change ton plan. Pourquoi ? Parce que t'es pas, t'es beaucoup trop petit par rapport à l'autre. Tu veux que je me grandisse ? C'est mieux là, Nolan ? Il est beaucoup trop gros là. Tu es trop gros ? Mais déjà, faut que je fasse un régime ? C'est sensible. Hein. Les acteurs sont Isabelle Carré, Didier Bourbon. Bourdon. Ouais, 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 Bourbon, c'est pas la même chose. Ça, c'est un autre Didier que je connais. Hein. J'espère que tu ne connais pas trop. De loin, de loin. Allez, reprends dans son 9e ouais, team. Faire comme ça, là. Comme Nolan. Vas-y, refais. Ah non, on ne te voit pas. Attends. C'est moi, c'est toi, en fait. Vas-y, Nolan, refais-le. Rome, dans la... On a l'impression... Faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Quoi ? Oui. Oh, pardon. Vas-y, repars. Allez, on y va. Alex. Bah, y a tes feuilles, Doudou. Non, les miennes, on les voit pas. Non, non. Non ? Non, non. Attention, la VAR est demandée. Va-t-elle être validée ? Est-ce que Doudou et Renaud ont vu l'action ? L'arbitre décide de le voir. Et c'est validé ! C'est la fin ! Au micro avec moi, il y avait Jade. Merci Jade. Pardon. Doudou, et avec toi, à côté, il y avait Nolan. Merci Nolan de... Vas-y, je crois en toi, Maxence. C'est bon ? Voilà. Tu vas faire quoi ? Bah, au revoir, je sais pas. Mais on sent un truc.